Bien, bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre chief Patman Sinatradia. Bienvenue dans le message du chief. Actuellement, je me retrouve actuellement dans la mauvaise ville d'Istanbul. Et vous devez savoir que Istanbul, c'est la ville la plus merveilleuse. En tout cas, je suis tombé amoureux de cette ville et c'est une ville pour moi d'amour. Je passerai assez de séjours ici, j'y reviendrai plusieurs fois. Et aussi, j'ai eu la chance de rencontrer les guerriers du vie, okay, ceux qui sont en train de mettre en place à chaque fois tous les programmes de faire en sorte que dans l'avancée du système. Et par la suite, nous avons fait une grande formation de tous les guerriers d'Ato et de Japa. Et vraiment, c'était vraiment intéressant. Et ces sessions ont été dirigées par Ania et c'était quelque chose de fantastique. Il faut dire qu'il y avait plusieurs vie ambassadeurs qui se retrouvaient dans cette formation. Ce programme était vraiment dense. J'ai eu la chance de faire un corps à corps avec les gens, d'écouter les témoignages de certaines personnes. Et vraiment, j'ai été vraiment très content. Et il faut dire qu'aussi, après, avant que moi je ne monte, il y a eu certaines personnes qui sont passées, notamment le vice-partner Saïd, le MVP Saïd qui est passé, et après cela, le vice-partner Charmant, et après moi, je suis monté sur le stage, et je pense qu'on a créé un peu une certaine folie, et c'était vraiment très bien passé. Par la suite, on a eu la chance de sortir de là où on était, on est passé dans d'autres villes, rencontrer d'autres équipes. Et c'était vraiment fantastique. Aussi, on a eu à rencontrer d'autres vie partners, okay, les guerriers de Datos Rivigier. Et c'était une expérience vraiment unique et une expérience magnifique. Et par la suite, nous sommes rentrés encore en ville et nous avons encore fait des réunions. Et là, je me retrouve là devant vous. Et étant moi-même élève de Datos Rivigier et Japan Aspigba, ça a été pour moi un honneur d'apprendre et de continuer d'apprendre. Mais vous devez comprendre qu'après 26 ans dans le network marketing, pour moi, aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Je suis tellement heureux, Seigneur. Et je suis tellement heureux, les gars, de me retrouver et d'être networker. Parce qu'il y a une beauté à être networker. Je suis content d'être dans l'industrie du marketing des réseaux. Je suis content d'être entrepreneur dans le marketing des réseaux. Je suis content d'appartenir à QNET. Je suis content d'avoir choisi cette entreprise. Je suis content d'être aujourd'hui, d'avoir vu mes fondateurs prendre cette décision en 1996 de dire qu'ils vont devenir networker. Et ensuite aussi, je suis très reconnaissant. Parce que vous voyez, c'est facile de prendre une promesse et dire je vais faire ceci, je vais faire cela et de ne pas pouvoir tenir. Et d'autres qui arrivent à tenir, il faut pouvoir les respecter. C'est pourquoi je voudrais que si on respecte aussi nos différents mentors d'autres civils et d'autres qui ont tenu leur promesse de dire que non, ils vont être là. Et en 98, ils ont pris la promesse de dire ils vont construire une entreprise. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas vraiment été quelque chose qui est allé rapidement. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de se battre et ils n'ont jamais arrêté de se battre et ils vont jamais arrêter de se battre parce que peu importe ce qui est arrivé sur les obstacles, peu importe les hommes, ce que les hommes ont dit, c'est les obstacles qu'ils ont rencontrés, ils n'ont jamais abandonné. Et vous devez savoir que non, aujourd'hui, peu importe ce qui peut arriver, nous, on va continuer de croire encore en vous, de croire aussi en nous, mais au-delà de ça, de continuer de se battre pour atteindre vraiment des objectifs assez merveilleux. Et aujourd'hui, il faut comprendre que vraiment, ils ont pu tenir, ils ont tenu tout ça, ils ont pu atteindre ces objectifs-là. Ce n'est pas grâce à eux seuls, nous tous, nous en faisons partie. Mais les gars, vous savez, j'ai échangé avec un networker tout dernièrement et j'ai compris quelque chose de vraiment que je veux partager aujourd'hui avec vous. Vous devez comprendre aujourd'hui que l'une des plus grosses erreurs que beaucoup de networkers sont en train de faire, et aujourd'hui, vous savez que quand je fais mes messages ne sont pas adressés spécialement aux gars qui viennent de démarrer l'activité ou à ceux qui n'ont pas encore construit de grandes entreprises. Moi, mes messages sont pour tout le monde. Que tu fasses le mass out, tu fasses plus le mass out, que tu n'aies pas encore gagné, mon message est à tout le monde. Parce que je vais toucher tout le monde en donnant mon message. Mais l'un des plus gros problèmes que les networkers font, ils continuent de faire et ils n'arrêtent pas de faire, c'est de recevoir un message et de ne pas le dupliquer comme il se doit. Comme je le dis, il est difficile pour moi de répéter toujours la même chose, mais je suis toujours obligé de répéter toujours la même chose. Les gars, ne compliquez pas notre business. Le business que nous avons démontré, nous avons montré, est aussi simple que bonjour. Vous devez prendre le même business et communiquer cela à tous vos différents, le dupliquer de la manière la plus simple. Et ça se remarque tellement parce que vous allez voir, par exemple, d'un bureau à un autre, d'un pays à un autre, la même activité qui est censée être universelle a commencé à devenir différente. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, quand j'explique aux gens avec passion, comment des fois mon business est magnifique, il est beau, il est vraiment un business qui peut prendre quelqu'un de zéro et l'amener à zéro, beaucoup de personnes ne croient pas en cela parce que ce n'est pas le même business. C'est pas le même business qu'ils ont. Ils ont un autre business, un autre type de business. Et c'est ce qui
que vous compliquez les choses. Et à chaque fois, même dans les présentations, même pour les présentations, c'est aussi difficile de voir des gens qui comprennent pas encore jusqu'à aujourd'hui les présentations. Durant mon séjour dans le business, je n'ai jamais posé cette question-là à Dato. Moi, les questions existentielles que je posais à Dato, c'était comment je dois faire pour grandir. Vous voyez, c'est tellement quelque chose de fabuleux que moi, je vais tenter de vous expliquer ça de la manière la plus simple, marketing des réseaux. Vous devez comprendre que l'une des premières décisions que vous avez prises, c'est que vous avez décidé de quitter le monde de l'employeur pour devenir maintenant entrepreneur. Et entrepreneur encore avec quoi? Avec le marketing des réseaux. Vous devez comprendre que vous devenez maintenant propriétaire de votre business. Ça veut dire que quand quelqu'un est propriétaire de son business, ça veut dire qu'il a des attentes vis-à-vis de ses business, il a des objectifs vis-à-vis de ses business. Il devient maintenant, ça devient un peu comme si c'était son enfant qu'il avait entre les mains. Et vous savez, pour toute personne, avoir un business, c'est déjà prendre la responsabilité de voir ce truc-là grandir. Cette entreprise-là grandit et ce truc-là atteint ses objectifs. Et pour moi, quand quelqu'un commence un business, c'est qu'il doit gagner. Et gagner, c'est en fonction de ses rêves, c'est en fonction de ses envies, c'est en fonction de ce qu'il veut réellement de sa vie. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, on n'est pas à l'aise avec ça. Mais moi, je suis désolé, je pouvais être sincère avec vous. On ne peut pas faire un business pour perdre. On ne peut pas faire un business pour ne pas gagner. On ne peut pas faire un business pour ne pas que ça marche. On fait un business pour que les choses puissent devenir meilleures. On fait un business pour gagner vraiment de l'argent. Donc, désolé pour ceux qui vont trouver que mon message est trop matérialiste, mais on ne fait pas un business pour un club d'association. On fait un business pour gagner de l'argent. Et nous faisons ce business pour une seule point. On fait ce business pour gagner de l'argent. C'est pour avoir de l'argent. Et on fait ce business, on ne fait pas ce business pour dire que non, on est ensemble, on est un club d'association, non. C'est pour cela que je vous le dis encore. Si vous voulez être entrepreneur, avoir la liberté financière, vous êtes à la bonne place. Mais si vous voulez gagner de l'argent, vous pouvez aller à l'université, gagner des diplômes, vous allez gagner de l'argent sûrement. Vous devez comprendre que si vous avez commencé ce business, c'est pour faire 3000 BV à gauche, 3000 BV à droite, gagner 225 $, 450 $, 12 000 $, 12 500 $ pour faire le mass out. C'est pour ça, au fait. Donc, il n'y a pas autre chose pour laquelle vous avez démarré le business. Et les revenus que vous allez pouvoir avoir sont au moins de 25 000 $ américains. Et vous devez comprendre par là, 25 000 $, c'est par semaine que vous allez avoir. C'est le potentiel de votre business que vous avez. C'est-à-dire qu'avec un seul tracking center, vous pouvez vous retrouver à 25 000 $ la semaine. Multipliez ça par 4, vous allez voir combien vous pouvez gagner par mois. Ça, c'est pour un seul tissu, mais le potentiel est illimité. Si vous voulez plus d'argent, vous pouvez faire massage sur les 3 tissus, les 4 tissus, les 5 tissus, les 10 tissus, je sais pas, le nombre de tissus que vous voulez. Qu'Unet va vous payer en fonction du travail que vous êtes en train de faire. Donc, regardez le potentiel déjà de l'activité qui vous permet de gagner assez autant que vous voulez, comme vous voulez et à n'importe quel moment. Donc, vous devez comprendre par là que cette grandeur, ce maximum d'argent que vous pouvez vous amasser, ça vous démontre déjà l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et c'est cela que vous devez mettre vraiment à profit. Et c'est ça que vous devez regarder pour pouvoir travailler. Parce que c'est ça seul qui va vous aider vraiment à pouvoir grandir dans le business et à pouvoir gagner assez dans ce business. Cela va vous apprendre à être responsable parce que vous devez être responsable de votre succès, responsable de tout ce que vous avez fait. Et ça va vous faire sortir du cycle de taureau qui dit vous partez au travail, vous gagnez quelque chose, vous rentrez à la maison, vous mangez, vous dormez. Et ça va vous faire sortir de cet esclavage-là du nouveau millénaire aujourd'hui dans lequel nous sommes. Et ça va vous faire rentrer maintenant dans la liberté chantant et chercher. Et arrêtez de chercher dans les livres ou de lire dans les livres, mais de lire les vidéos de développement personnel pour chercher à être mieux. Cela ne va même pas vous aider en quoi que ce soit. La seule chose qui va vous aider, c'est en vous-même, parce que tout est en vous, les réponses sont en vous. Pourquoi vous n'avancez pas, c'est en vous. Pourquoi vous avancez, c'est en vous. Qu'est-ce que vous devez faire pour avancer, c'est en vous. Et vous devez comprendre que quand vous allez finir par grandir vous-même et à comprendre vos différentes lacunes, vous devez venir travailler dur pour avoir ce que vous voulez, parce que la liberté financière ne viendra pas à votre porte facilement. Beaucoup de personnes, souvent, dans l'exercice le développement de leur activité, cherche des miracles, cherche une manière existentielle de sorte que non, les choses puissent arriver. Ça ne va pas arriver, les gars. La seule chose qu'il y a à faire, c'est le travail. Aujourd'hui, vous me regardez en train de faire le message de Tiff, en train de faire des formations et vous tombez amoureux de moi. Non, la seule chose qui a été ma chance, c'est que j'ai travaillé dur et je continue de travailler dur. Je n'ai pas fait autre chose que de travailler dur. Je ne ferai pas autre chose que de travailler dur. Et j'ai été toujours poussé pour sortir au-delà de ma zone de confort et pour atteindre mes objectifs. Et j'ai eu un appel d'être aussi vigilant. Il n'y a pas de secret spirituel que je vais vous donner. Le seul secret spirituel que je peux vous donner,
Seigneur, c'est de travailler dur, et de continuer de travailler dur, de travailler, de rentrer à des heures induites. Vous allez rentrer, être fatigué, mais le matin, vous devez vous lever pour bâtir parce que vous devez travailler dur. Quel est le travail dur que vous devez faire dans le business? C'est de faire vos présentations, C'est d'assister à toutes les formations de vos différents leaders, la formation du vie. C'est de venir au Vicon, et de continuer de venir au Vicon. C'est d'aller au ASB, Advance. C'est d'aller à tous les programmes qui vont vous aider. C'est d'être en parfaite harmonie, mais de rester toujours connecté aux gens qui parlent bien de ce business. L'une des choses aussi dont je veux parler, les gens ignorent une chose et je veux vraiment vous rappeler. Vous savez que vous travaillez avec l'homme et l'homme est le capital numéro un dans ce business. Il n'y a pas autre chose que l'homme. Donc, tu dois pouvoir être cohabité avec les gens, pouvoir être sociable avec les gens, pouvoir être attractif avec les gens. Parce que si tu n'es pas cool, comme on le dit, mais sympa avec les gens, déjà, il sera difficile de réussir dans ce business. Mais ce que je peux vous donner une nouvelle bonne, c'est que n'importe quel chrétien dans ce business peut être sympa avec les autres. Et pour le faire, la chose la plus spéciale que vous pouvez faire, c'est de vous soucier d'eux. Apprenez à vous oublier pour les autres. Apprenez à aimer les autres. Apprenez à connaître leurs problèmes, leurs difficultés, ce qu'ils traversent, ce qu'ils vivent. Apprenez à être là pour eux, à les soutenir, peu importe les difficultés, peu importe ce qu'ils sont en train de vivre. Soyez présent pour eux. Pensez à leur commission, comment ils vont gagner, qu'est-ce qu'ils vont gagner, comment les choses vont se faire. Vous devez vous abandonner pour ces personnes-là. Vous devez aider ces personnes-là parce qu'ils ont pris la peine de venir vers vous. Ils vont peut-être avoir des caprices dans le début, mais vous devez continuer toujours le combat. Et trouver le temps de rester avec eux, de parler avec eux dans leurs moments de peine, dans leurs moments de joie. Souvent chercher à comprendre ce qui ne va pas dans leur tête, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils se disent, ce qu'ils pensent. C'est très important. Et passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Vous allez voir que ça va leur faire du bien. Mais vous devez être là, toujours présent pour eux. Vous allez commencer à grandir dans le business lorsque vous allez commencer à faire grandir les autres, lorsque vous allez commencer à élever les autres, lorsque vous allez commencer à faire en sorte que les autres puissent être élevés. C'est ce qui va vous permettre vous aussi d'être élevé. Et l'autre chose que aussi je veux vraiment vous expliquer, les gars, je sais pas pourquoi cette génération là est aussi impatiente comme ça, les gars. Vous ne pouvez pas avoir le succès d'un seul coup. Les choses ne peuvent pas venir d'un seul coup. Tout se construit, tout vient avec le temps. Et vous n'êtes pas Dieu pour pouvoir dire automatiquement vous devez faire ma saute, pour pouvoir dire non, vous voulez avoir la vie automatiquement de votre upline ou même de vos leaders. Non. Tout se construit avec le temps. Et Dieu seul est le capital temps. Mais le capital que vous avez, c'est de travailler, de bosser, d'espérer, de croire que les choses vont changer. Et vous allez voir que les choses vont changer. Et ce que vous recherchez ce mois que vous n'avez pas eu, cette semaine que vous n'avez pas eu, vous pouvez espérer, vous devez croire que l'on va venir dans la semaine qui suit. Vous devez croire, même si vous faites une année sans gagner de commission, vous devez croire que le mois qui vient, la semaine qui vient, l'année qui vient va être meilleure. C'est toujours comme ça, il faut continuer. Dans tous les aspects de nos différentes vies, ça a été démontré maintes fois et maintes fois, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, même dans la spiritualité, dans tout ce que vous faites. Si vous n'abandonnez pas, vous allez y arriver. Mais lorsque vous pensez à l'abandon, vous allez échouer. L'abandon est la seule chose qui te fait échouer. Donc, il faut continuer de te battre, il faut continuer de faire encore, il faut continuer de pousser encore et tu vas voir que le succès va arriver. De Thomas Edison avec l'ampoule électrique, de Steve Jobs avec le premier MacBook. Ça a été toujours comme ça. Nous ne venons rien changer, je ne viens rien vous apprendre même. Ce sont des choses qui existent et vous savez que tant que vous continuez, vous allez y arriver. Même quand vous allez avoir des moments difficiles, compliqués, vous allez vous sentir abandonné, continuez. Vous devez toujours continuer. Même si vous n'avez pas un bon leader, vous avez un bon leader, vous devez continuer. Même si les choses commencent à être compliquées, vous devez continuer. Mais vous savez, quand vous avez un bon leader et vous avez une très bonne équipe et qui ont un centre d'intérêt bien développé, peu importe ce que vous allez arriver, vous allez les affronter. Continuez de toujours apprendre la patience, de croire que ça va changer. Les situations vont devenir meilleures, les choses vont devenir meilleures, les choses vont vraiment avancer. Et vous devez toujours croire. Et vous allez voir que quand vous allez continuer de croire, les choses vont vraiment se réaliser, les choses vont arriver, les choses vont devenir meilleures. Comme j'aime le dire à chaque fois dans chacune de mes sessions, à chaque fois que je fais une formation, je rappelle toujours aux gens qu'ils sachent pourquoi ils sont en train de se battre. Vous savez, il est difficile à un homme qui se bat sur cette terre, qui ne sait pas ce qu'il veut de réussir. C'est trop compliqué, au fait. Mais quand vous trouvez une raison fondamentale, vous trouvez un pourquoi sûr, vous trouvez un rêve pour lequel vous êtes prêt à mourir, les gars, je vais vous dire une vérité, il est facile pour vous de réussir. Il est facile pour vous de tenir, il est facile pour vous de pouvoir y arriver. Mais lorsque vous n'avez pas ça, la moindre secousse, comme on le dit bien, lorsqu'il y a une grande tempête,
automatiquement, vous devenez comme une feuille morte et vous descendez parce que vous n'êtes pas prêt à atteindre votre objectif parce que ce qui vous poursuit est faible. Moi-même qui suis en train de vous parler en tant que votre appelé, j'ai conçu ce business avec 26 ans et j'ai eu des mauvais jours comme des bons jours. J'ai eu des moments heureux comme des moments vraiment très difficiles. Mais si je continue jusqu'aujourd'hui de continuer de me battre et si j'ai pu le faire, j'ai pu atteindre la liberté financière, ça veut dire que vous pouvez le faire. Aujourd'hui, je suis devenu roi du Massaout, les gars. Ce n'est pas devenu d'un clic des doigts. C'est par le travail, c'est parce que j'ai été un crétin qui a pu le faire et vous aussi, vous pouvez le faire. Vous ne devez jamais oublier. Et les gars, j'ai été juste un crétin qui avait juste un rêve. Et je vous l'ai toujours dit et je vais vous le dire encore aujourd'hui. Si vous êtes un crétin, vous avez un rêve, vous atteindrez vos rêves. C'est juste ce que j'ai été et c'est ce que je vous souhaite, les gars. Les gars, vous devez comprendre qu'au-delà de tout, vous êtes une famille pour moi et vous me manquez. Chaque mercredi, j'ai hâte de vous lire. J'espère que vous aussi, vous êtes content de recevoir mes messages. Je vous aime de tout mon cœur. On se retrouve au Vicon, au Vicon, au Vicon, au Vicon. Je vous aime. Beaucoup de respect à vos familles et on ensemble. Je vais me désirer.